Et je pense qu'il était beau quand même. Ce côté là-bas, c'est une Nzelimba. Nzelimba. Nzelimba, Bajiteki, Bajiteki. Nzelimba. 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 Imba, Mimba, Okala, c'est Mubaka Monica, Bé. Samuele Matuba. Samuele. Ah, Tata Matuba, avec toute cette dissonance qu'il a laissée, personne n'entretient son vestige. C'est des hirondelles, hein? Okay. Tiens, comme quoi fait. Tu connais. Tu appuies ici pour ça. Pour ça, ça prend déjà là. Ça prend déjà. Ici. Tu appuies ici pour la photo là, ça prend déjà. Ici, ici. Ça nous prend. Ça nous prend déjà. Il faut une photo. Appuie là-haut, hein. Et donc, dans nos environs, il y a qui? On a mis ce sol ici. Batabukila. Batabukila Dina, c'est pas la mère de Papa Ntoto? Papa Ntoto? Il s'appelle Mama Dina, la maman de Papa Ntoto. Quand Papa Dienguen avait voulu détruire, brûler ce brasa, à l'époque, c'est elle qui s'est allongée devant le bureau de son papa Fumalonga à Monkoto pour que papa ne puisse pas traverser. Parce que papa était en colère contre Brazzaville. Ah oui, les comportements qu'ils affichaient. C'est quoi, c'est elle, maman Dina, hein? Là, il faut qu'on demande l'histoire là-bas, parce que je ne sais pas. Et papa Ntoto père l'a mis où?
son beau-fils. C'est-à-dire le père du maestro. Maestro, il a enterré son père dans son village. Son père, hein? Oui. Il a enterré ici, mais on dit que le corps, il est à Bouenze là-bas. Hein? À Bouenze. Donc, ta tête est à toi, hein? Oui. Pour Bouenze, ma mouche. Toto Matoussi, ouais, le maestro. Ah, même pas un coup de peinture. C'est terrible, hein, toute la descendance qu'il a laissée sur terre. Hein, ils sont en Occident là-bas. Avec tous les moyens qu'ils ont. Ah, chef chat, merci vraiment. Ça, c'est des moments que j'aurais jamais pensé de ma vie venir vivre. C'est tellement important. C'est un problème de financement, on va voir. Le budget est un peu serré. Mais on va voir. En tout cas, moi, certain, il faut que j'aille remercier la divinité, quoi. Ou Mahon, surtout, va Angela Savo. Ok. Je suis pas venu en Afrique sans mon frère Kamba, c'est pas possible. Oui, c'est, ça. C'est invraisemblable. Vu que ça fait une année, je peux monter. Nous devons monter en Kamba au moins 3 fois par an. Normalement, un Kimbangu qui se respecte, un enfant de Kitata Kimbangu qui se respecte, il doit monter en Kamba. 3 fois minimum par année. Non, les contraintes. Ngete semaine d'y pas. C'est celui qui t'osolana. Oui, j'ai appris. Oh, pauvre. Hein? C'est lui qui avait capté le compte. Sa femme, son lui, papa Pécos, qui a pas un Kunga. Ngeya Filika. Oui, son cantique. Benge, Yimouindanza. Yimomo Filika. Yimomo Moutunga. Je l'avais interviewé en Kamba. Quand je l'avais. Oh, c'est pas qu'on va voir. Aïe. Eh, hey, Rétin Mingé, hein? Il y a beaucoup de VT là. VT, voilà. Ma si son bête, ma honte, son nom, la majorité, c'est Rété. Rété, quoi, ni voilà, VT, voilà. Hein? Mato, le mot, tout le venez. Hein? Hein? Pas sur là, non. Ma soula. Oui, j'étais au courant. J'ai son fils, papa Dengenda, on est ensemble à Paris. Dans le millénaire de la Faki. Mmh. Et son beau-fils, c'est mon coordonnateur de la Rateliki là-bas, à Paris. Mmh. Son neveu plutôt. Tata Maïs Sekoula. Il m'a donné l'enseignement à l'école publique. Donc, il y a une semaine. Il n'y a pas de fumouille, sous-montagne, il y a une semaine. Alors, tu as un fou long, tu as un gendarme qui t'aime, qui est un fou kama, qui est un sambilan, qui est un bakal, qui est un sumbula,
que le voulu l'encana ndombe le coul l'encana ndombe kuna kinsasa kuna lukulu me à l'époque kinsasa inani obokle bokle anga kunda masango